quand tu arrives là, faut salut à, à tous. Donc voilà, aujourd'hui, bah du coup, ce matin plutôt, on teste les LCG. Puis Calypso a décidé de nous rejoindre. Voilà, bah. Donc je suis super content qu'elle est venue avec nous. Donc moi, je vais tester un peu les modifications. GG, lui, il n'y a pas besoin de tester. On sait déjà, c'est le tueur de cailloux. Hein oui. Du coup, là, avec lui, on va voir si les modifications sont bonnes. Et puis en même temps, voir ce qu'on va modifier. Donc voilà, là, il y a du caillou. Des belles zones, très belles. Là, il y a des très belles zones, voilà. Ah, ouais. On n'a pas besoin d'aller plus loin, on s'est trouvé juste voilà, une petite zone où il y a largement de quoi faire. Ah, bah, tu peux faire et on va mettre les balles et puis on va tester ça et puis on va vous filmer ça pour vous montrer. Zones, ouais. Allez, c'est parti. Sur les départs là. Ouais, mais là c'était un peu merdique. De côté les gars. Ouais. Parce que quand vous allez pas voir la pente. Et là ça aurait été bien, t'aurais vu, je fais lui 3 roues là. Je vais le mettre du côté où ça tombe, ça fait plus joli. Normalement ça tombe pas souvent, mais c'est vrai. Hein. Moi je suis là pour le dépouiller. Ouais. Allez. Donc t'as remis la Jeep. Hein? T'as remis la Jeep. Ouais, bah ça prend, je trouve ça. Je fais la carrosserie. L'autre carreau elle est oxy. Hein. Power Wagon ou celle-là. Quoi. Alors après, tiens, par contre, j'ai fait un passage par là, une petite arête là, mais elle n'est pas dangereuse, elle n'accroche pas dans la gorge. Là, c'est que les ponts axiales. Ah, il y a un petit lever aussi. Et après, tu vas voir, il y a l'enchaînement pour la sortie des pommes aussi. Ça fait une grande zone. Il fait bon, le contre ce matin. Ah oui. Même chaud, bah, moi j'ai galopé en plus. J'ai avancé plus frais que ça. Hein. J'ai avancé 8 degrés à 9h. J'ai regardé la manuelle en arrivant, il était à peine 9h, il faisait plus de 10 degrés. Alors tu vois, là tiens, tu peux te mettre bien de 9h si tu veux pour filmer, ça va être sympa. Là. Parce que là. T'as prévu de tomber ou quoi? Bah normalement non, mais. Normalement non. On n'est pas à l'abri, hein. Là, t'as pas ton cachet, c'est comme ça. Là, tu vas passer entre les deux à droite, là. Normalement je passe là ouais, et après on va faire une continuité après. Le bêtisier, on l'a. Il nous a fait une Gérardtrie. Une Gérardtrie. Ouais, c'est l'acronyme de Gérardtrie. Sympa les mecs. Fallait pas l'inviter. Et zut. Tiens, là, tu peux filmer. Celle-là, elle est belle, une Gérardtrie. Une Gérardtrie. Ça fera comme au terrain de motocross. Allez, 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 allez. Encore un effort. Il est presque. Ah mais je vais. Hein? Ah non, je suis pas passé au bon endroit, j'arrive pas allez. À la retrouver. Normalement il faut venir se. Tu vois pas mon tel là? Non non. C'est... Non ça va. Là, faut venir se bloquer. Là j'ai un bel angle. Et le deuxième. Non non mais j'ai mal passé. Il faut venir plus loin et venir se caler là. On va recaler. Autrement tu passes pas en bas. On va décaler le passage. Bon, zone 4 modifiée. Ça va être, Combien ça te coûte de trafiquer la zone? C'est le juge, donc tu sais, les juges ils s'arrangent toujours pour que. Ouais, ce soit à peu près faisable quand même. Mais... Après, bah, c'est comme. T'as éteint quoi, on fait ça, et bah, vous m'éteindre, mon cœur. Si jamais tu roules pas. Normalement, je vais plus loin la charge. Alors attends, je vais te l'éteindre après. Voilà, soulève ce côté-là, tu vas avoir le petit bouton rouge, appuie dessus. Longtemps ? Pas longtemps, juste quelques secondes. On voit tout derrière le crochet d'attelage. Là, c'est bon. Là, tu vas. Tu prends ta direction, tu fais droite-gauche. Bah, j'ai éteint la télécommande. Ah, je vais pas. Bah, non, il faut éteindre la voiture avant, mon cœur. Non. Bah, c'est bon. Mais non, mais j'ai éteint la télécommande. Bon, on essaie de voir ce qu'il fait Manu. Ouais, mais fais droite-gauche avant. Une dernière. Éteins, on pense que c'est. Non, donc c'est bon, tu peux éteindre. Ah, bah, c'est pas ce que faire. Ah, ça glisse, hein. C'est pas un grip phénoménal, quoi. C'est ce qu'elle dit, Alice. Alice, ça glisse okay. Au pays des merveilles. Vas-y, GG. Ah, mais elle est pas, c'est bien d'avoir des sorties comme ça, quand même. C'est qui fait le bon? Ah, tu as vu faire, hein.
Ça y est, il va le faire, hein. Alors on est obligé de le faire, Manu. Arrête-moi ça. Allez, ça y est. Sinon, on est des bons. Ça y est. Bon, je couperai les chutes. Attends, il y a encore la sortie. Bah oui, oui, c'est mieux. Hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Que... Si, si, ça montre qu'il y a de la difficulté. Non, bah, un peu quand même. Ouais, ouais. Parce que sinon, les gens pensent qu'à chaque fois, ça va passer du premier coup. Non, il y a du travail. Travail derrière. Sinon. Oui, bien sûr. Ah, moi, je serais descendu vers là-bas, non? Et en fait, c'était ça la porte. Et voilà. Bah, il avait du mal. Mais là. Voilà, ça pour le moment c'est rigolable. Non, mais attends, normalement le passage d'entrée c'est pas là. Hein. Mais lui, c'est sur le côté. Ouais. Ah, ouais, c'était, moi je pensais que c'était là. Oh. C'est pour ça. Bon, on va mettre là comme ça. Ça va carotter encore. Ça... Alors, si j'ai bien compris, tu modifies les balles comme ça. C'est ça qu'on disait, c'est le juge. Il met la porte, le mètre de large, et puis pour nous. Le but c'est de passer un peu la même blague. Oh là là, eh ben tout de suite tu vois la différence de ton véhicule là. Bah là il ça a le bah ouais. Il a des problèmes là. Ouais, mais là non, c'est pas là. Hein. Ça... C'est sur le côté là. C'est sur le côté. Alors hop. Ça a rien à voir. Ça l'énerve là. Ça a rien à voir. Moi je suis content pour toi. Bah oui. Tu veux avoir un petit pourcentage. Attends, j'ai amené ça déjà. Il a un mauvais goût. J'aurais dû te ramener la boîte que j'ai offert à mon collègue. C'est trop à droite. Tu vas rester sur le bord. Non, tu passeras pas là. Écoute-moi, fais une marche arrière, tu passeras pas. Tu passeras pas. Non, tu passeras pas. Attends, bah il y a le bêtisier qui ça fera une minute. Le bêtisier là, dans le jeu. Non, tu passes pas là. Regarde, t'es fou, tu pars. Bêtisier. Ouais, mais moins dur qu'avant. Alors, de là. Voilà. Et tu m'as dit de monter comme ça là. Ah bah tu passes entre les deux balles. Tu passes là. La balle. Facile, avec des ponts aussi larges que ça. On sait pas trop. Je connais pas bien le produit. Moi. Alors je fais comme ça. Ça sort de l'atelier, voilà. Oh là là. Regarde où tu peux caler tes pneus et où tu vas pas trop frotter. Bah ça a rien à voir, Benoît. Ah non, mais ça a rien à voir du tout. Hein. C'est. T'as pas du tout le même véhicule là. C'est le jour et la nuit. Hein. Donne-moi ça. Attends, c'est pas Romain qui l'a fait. Hein. Le remède. Le remède. C'est pas toi qui l'a fait le bazar. Hein. J'ai modifié parce que j'ai trouvé beaucoup de défauts dans ton truc là. Ah ouais, ça. Alors là, en tout droit là. Bah, tu vois les balles. T'as pas bougé les balles là. Non. Moi, tu vois, le croisement de pont se fait, les amortisseurs. Très bien. Non, il a pas du tout la même réaction que la dernière fois. Beaucoup alors, plus comme ça. Voilà, et tu viens monter après à bonne pente sur le devers. J'ai envie de couper comme ça. Moi. Oui. C'est là que je suis passé. Il faut que j'arrive à accrocher la roue arrière droite là. Pour que ça ne continue pas de glisser. Attends, je vais mettre là. Pose, voilà. Les pneus sont bien. Ouais. Même le DVR, il le tient bien, il s'écrase pas. Bah avant il partait à la cage. Mais t'as les inserts silicone. Bien sûr. Ouais. Retaillez s'il vous plaît. Attends Benoît, s'il te plaît. Attends, je vais passer en bas pour te filmer. Attends. Tu continues. Allez, hop, vas-y. Bon, bah, il serait presque présent. Plaisant, pardon. Bah, je te dis, honnêtement, c'est là que ça se le jour et la nuit, là, dans le comportement, par contre. Là, il n'y a rien à dire. Regarde comment il vrille, là. Il tourne tout seul. Regarde, t'as vu le comportement. Ça accroche, mon gars. C'est même pas la peine. Le docteur GG est passé par là. Bah, là. Il a presque dit bon, ben. Pas punaise, la vache! Ouais, facile, hein? Puis sa largeur de pont, ça donne de la stabilité. Ah, c'est impressionnant! Ah oui, oui! Là, puis les balles sont passées au bon endroit. Ah, bah, c'est autre chose, t'as vu? Bah, y a, combien il y en a un qui est passé avant qui a traficoté ça? Hop, hop, hop! Attends, il va descendre. Ouais, t'as touché, c'est pas grave. Regarde, il a un peu de poids devant et avec le. Oh, attends, je laisse prendre le petit élan. T'as un corne. Voilà! Bien. La vache! Autre chose, hein? Et tu vois bien que la machine elle a totalement évolué. C'est devenu une arme le bazar. Voilà. Regarde le braquage. Oui, il est pas mal. Alors là, il faut que j'arrive à. Non, trop loin derrière. Là. Voilà, plutôt comme ça. Chercher le. Lâcher derrière. Par contre, pas trop braquer quand même parce que sinon il risque de culbuter. Seigneur GG, admiratif. Il voit que ses soins prodigués portent leurs fruits. Leur fruit. Bah, il porte surtout bien la bestiaux sur le caillou. Ah non, c'est génial. Va-t-il
Oui, et après, même tes pneus, franchement, moi ce que j'hallucine, c'est le comportement de tes pneus. La Jeep finira-t-elle à la déchetterie? Non. Oula, oula, non, même pas peur, il se repose là. Allez, là. Allez, je vais essayer de poser. Je vais laisser la roue avant gauche se poser là-bas, gentiment. Le glisser sur mon nouveau skid flambant neuf. Le glisser de bâton. Le glisser de bâton. Oh punaise, bravo!